Souvenez-vous, il y a quelques mois, j'ai acheté ce théâtre Spirou des années 60. Oh, je l'ai pas payé cher, 5 euros. 5 euros, est-ce que c'était une bonne affaire? Ben, il semblerait qu'il vaille beaucoup plus, hein? Un beau théâtre comme ça, avec un design fait par André Franquin. On avait même essayé de me le racheter sur la brocante. Alors, j'ai décidé de le mettre en vente, mais pas n'importe où. Je l'ai mis en vente dans une vente aux enchères. Une vente aux enchères qui a commencé sur Internet et où le prix est monté, 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 monté. Et là, vous allez voir la conclusion avec la vente aux enchères en live. Accrochez-vous, regardez le prix. Adjugé 110 au 356. Encore un lot qui a fait sensation, le 124, le théâtre de marionnettes réalisé au début des années 60. C'est une version bleue et nous démarrons à 800 pour celui-ci. À 800 euros, nous sommes déjà pour ce théâtre Spirou. 50, on continue. Vous avez raison, vous avez vu que c'était rare, évidemment. À 850 euros, c'est Drouot qui a repris la main pour l'instant. Pas d'offre supérieure à 850 euros, ce qui est déjà très bien. Merci à vous. 850 une fois. 852 fois, c'est bien vu. Adjugé 850 au numéro 1.